Shalom, shalom à toi, bien-aimé de Dieu. Shalom à toi, porteur de grâce. Nous sommes encore unis en ce matin dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et en ce matin, nous voulons prier en unisson de cœur et d'esprit avec tous nos saints et les saintes du ciel, avec nos anges gardiens, mais en particulier toutes les âmes du purgatoire. Toutes ces âmes-là qui attendent favorablement nos prières, qui attendent favorablement nos soupirs montés vers l'éternel Dieu des armées. Et en ce matin, Seigneur, nous voulons encore te dire merci. Te dire merci pour le don gratuit de la vie. Te dire merci, éternel Dieu des armées, pour ton souffle que tu renouvelles en chacun de nous. Te dis merci, éternel Dieu, pour ta main étendue sur chacune de nos vies. Te dis merci, Seigneur, de ce que nos yeux voient en ce matin, de ce que nos oreilles entendent, de ce que nous pouvons respirer, de ce que nous pouvons parler. Te dis merci, Seigneur, de ce que nos mains arrivent à toucher, pour nos pieds qui arrivent à marcher. Te dis merci tout simplement parce que tu le mérites. Parce que tu en es dit. Et en ce matin, bien-aimé, je t'invite à élever ton âme vers le trône de notre Seigneur, te tourner vers lui, lui qui est consolateur, parce qu'il a su envoyer son Esprit Saint pour consoler les âmes, pour nous consoler de tous nos maux. Toutes ces séparations que nous vivons, les êtres aimés que nous avons perdus de manière physique, mais qui sont toujours là de par nos pensées, avec tant de souvenirs que nous avons partagés avec chacun d'eux. Demandez encore à ce Dieu qui veille sur chacun de nous d'avoir encore un regard clément, un regard compatissant, pour chacune de ces âmes, pour toutes ces personnes-là qui ont du mal à être dans cette séparation, qui n'arrivent toujours pas à accepter que l'être cher est quitté. Dire à ce Dieu-là qu'il est celui qui nous suffit, mais lui dire également en ce matin, Seigneur, jette encore un regard compatissant sur chacune de nos vies et sur toutes ces âmes qui recherchent la lumière. Toutes ces âmes qui souffrent parce qu'ils sont encore loin de lui. Lui qui veille sur chacun de nous. Il veille sur moi, Jésus sauveur. Sur la croix, de jour, de nuit, qu'il pleuve, qu'il neige, il me conduit. Il veille sur moi, Jésus sauveur, sur la croix, de jour, de nuit. Qu'il pleuve, qu'il neige, il me conduit. Il calme les rageux nuages de ma vie et me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime. Verser son sang, sang pour moi. L'ami, il est Jésus. Oh, quel ami, il est Jésus. Il calme les rageux nuages de ma vie et me donne sa paix. Verser son sang.
quel ami, il est Jésus. Oui, bien-aimé de Dieu, l'ami fidèle, c'est Jésus. Et en ce matin, il vient te dire, mon enfant, prends et reçois ma consolation. Prends et reçois ma paix. Prends et reçois ma joie. Prends et reçois mon amour. Il vient consoler une âme attristée en ce matin. Une famille qui pleure, des enfants qui pleurent, une nation qui pleure. Une âme qui recherche la lumière, une âme qui recherche la justice. Et en ce matin, il vient te donner ce réconfort. Il vient te donner cette consolation en te disant, mon enfant, je veille sur toi. De jour comme de nuit, je suis là à tes côtés. Dans la joie comme dans la tristesse, je suis là à tes côtés. Je ne te laisse pas. Alors prends ma main. Prends ma main. Prends ma main et reçois mon amour. Reçois ma paix. Il est Jésus. Oh, quel ami. Quel ami. Il est Jésus. Oh, oh, oh. Oh, quel ami. Quel ami, il est Jésus, l'ami fidèle. Oh, quel ami, il est Jésus. Oh, quel ami, oh, quel ami, quel ami, il est Jésus. Oh, quel ami. Quel ami, il est Jésus. Et en ce matin, nous voulons également unir la bienheureuse Vierge Marie à cette prière. Comme elle sait si bien le faire, par son intercession maternelle, qu'elle vienne obtenir cette guérison de l'âme, cette guérison du cœur, pour toutes ces personnes qui souffrent, pour toutes ces personnes-là qui ont du mal avec la séparation, pour toutes ces personnes-là qui sont dans cette tristesse à cause de l'éloignement, qu'elles viennent intercéder afin qu'elles obtiennent à chacun de nous la paix, la paix. La paix qui vient de son Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de votre sein est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors, bien-aimés de Dieu, en ce matin, je prie que la paix de notre Seigneur Jésus soit ton partage. Par l'intercession et par l'assistance de la bienheureuse Vierge Marie, de tous nos saints, de tous nos anges gardiens, mais également de toutes les âmes du purgatoire qui souffrent et qui n'attendent qu'une chose de nous, une prière fervente montée vers le trône de Dieu. Et je te souhaite de passer une excellente et agréable journée. Et nous avons ainsi prié dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.